Kazimierz Jelbin, originaire de Cracovie, avait 17 ans en 1940 lorsqu'il a été arrêté à la frontière slovaque en tentant de rejoindre la France pour se battre. Marian Turski, polonais juif, en avait 15 en 1942 lorsqu'il a été enfermé dans le ghetto de Łódź. Tous deux, envoyés à Auschwitz, n'oublieront jamais leur arrivée dans le camp de la mort allemand. De mon convoi, environ 10-12% des gens ont été considérés comme étant encore viables. On nous a annoncé, les jeunes et ceux qui sont en bonne santé n'ont pas le droit de vivre ici plus de 3 mois. Les prêtres, 1 mois, et les juifs, 2 semaines. Tatoué avec le numéro 118, le jeune Kazimierz est arrivé avec le tout premier convoi de prisonniers polonais en juin 1940. Les quelques baraques qui existaient, nous les avons élevées d'un étage et puis les autres ont été construites. Marian Turski est arrivé à Auschwitz en août 1944. Son frère et son père ont été immédiatement gazés, lui a été conduit au travail. Dans les derniers moments, je travaillais dans le nettoyage d'une raffinerie de pétrole bombardée. C'était un sous-camp d'Auschwitz. En 1945, ce résistant dans l'âme a survécu à 2 marches de la mort successives. Lors de la seconde, alors qu'il agonisait, un miracle peu commun va le sauver, le typhus. Il a tué toutes les autres maladies. S'il n'y avait pas eu ce typhus, les médecins disent que je serais mort. Kazimierz Jelbin va lui aussi accomplir un miracle, s'évader d'Auschwitz le 27 février 1943. Alors qu'il travaillait en dehors du camp, il s'enfuit avec un ami en traversant la rivière Soa, à moitié gelée, pour rejoindre la résistance polonaise. Lorsqu'on s'est retrouvé au milieu de la Soa, essayez de vous imaginer, nous avons entendu la sirène du camp. Quand j'ai entendu cette sirène, c'est comme si je m'étais réveillé d'un long sommeil. Lui aussi inconscient de ce qu'il venait de vivre, Marian Turski a soudainement été frappé d'amnésie. Pendant 20 ans, sincèrement, j'ai vécu comme si je n'avais rien à voir avec tout cela. Aujourd'hui, Marian Turski a retrouvé la mémoire et avec Kazimierz Jelbin, ils mettent toutes leurs forces pour entretenir leur histoire et celle de plus d'1 million de personnes qui n'ont pas eu la chance de survivre à Auschwitz.